Bonjour tout le monde. Bonjour. Sofia. Yes, bonjour Sofiane. Bonjour Ali, bonjour Amr. Alors les garçons, aujourd'hui c'est le mardi le 17 novembre 2020. Aujourd'hui, on va voir ensemble les vocabulaires qui sont en ville. En ville. En ville. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la ville? OK? Dans la ville, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, pour commencer maintenant, ce qu'on peut trouver dans la ville. Alors, on va commencer par la première chose. La première chose, par exemple, dans une ville, à Oufel Medina, Yomkon An. Imagine, c'est quoi ça? C'est quoi? Qui peut me dire, c'est quoi ça? Qui peut lire? C'est L'hôpital. l'hôpital. L'hôpital, hospital. L'hôpital. L'hôpital. Et ça, c'est La gare. la gare. La gare. La gare, c'est gare station. OK? It's a station, bus station, gare station, metro station, taxi station, etc. Donc, c'est la gare. Donc, on a l'hôpital, L'hôpital. La la gare. gare. Aussi, on peut trouver là. C'est quoi ça? What's this? La banque. La banque. La banque. Bonjour. Bonjour. Donc, on peut trouver aussi la banque. La banque, the bank, la banque. OK? La banque. Alors, on peut trouver, on a dit L'hôpital. l'hôpital, La gare. la gare, La banque. la banque. L'hôpital, hospital, la gare, station, bus station, gare station, metro station, train station, taxi station, etc. Et aussi, the bank, La banque. la banque. Alors, là, par exemple, when we are raining here with the bus, so we can find what? The bridge. The bridge. What's the bridge? C'est le pont. Le pont. Le pont. Le pont. Donc, le pont, the bridge. Le pont. Le pont. Et maintenant aussi, on peut trouver quoi d'autre? OK. Our school. Our school. So, it named what? L'école, une école. L'école. L'école, l'école. Aussi, alors, dans l'école, when we have a break, when we have a break. So, where we can move, where we have a break, we move to the what? La cour. La cour. La cour. Playground. The playground is La cour. la cour, OK? Now also, when we are with the car, OK? So we have the traffic light, the traffic light. What's the traffic light? Is les feux, les feux. Les feux. Les feux. The traffic light is les feux. Les feux. Donc, I repeat, on a l'hôpital, la gare, la banque, l'école, le pont, le pont. Aussi, on a les feux, les feux, les feux, traffic light, les feux. Alors, good. Now, when we move, for example, when we move now to the mall, Rashid Mall. Rashid Mall, there is what? There is le Cinéma. le cinéma. Cinéma. Bravo, donc le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Alors, the cinema, okay, we can find it in the Rashid Mall. For example, when we move to the Rashid Mall, we can find le cinéma. Et bien sûr, ici, on a quoi? La place. La place ou bien le rond-point, le OK, la place ou bien. Ou bien le rond-point, ou bien aussi, we can say, for example, here in Nafoura,
نافورة هذه in French is what? Ah? C'est une qui peut me dire? Who can know? Nafoura in French. Ya shabab. Shabab. Water fork. Nafoura بالفرنسي هي une fontaine. Une fontaine. Un nafoura. Oh, we call it fontaine, ou bien la place, ou bien un rond-point, le hoa dawar. Et là, par exemple, c'est quoi ça? C'est la rivière. La rivière. OK. Also, we can find what? The museum. Le musée. Le musée. Aussi, alors, for example, Nahdi, ou Saïdalit al-Ons, ou Hadam, what we call that? Une quoi? La pharmacie avec un PH, hein? Avec un PH, F en PH. OK, so we hear F, but we write PH. La pharmacie. Also in Abha, here, there, what we have? We have le marché. هذا اسمه le marché. السوق. Le marché. Good. And also we have like panda or raya or lafim الغنيم danub كل هذا supermarket. Okay, this in English, but in French اسمه supermarché. D'accord? Et ça, ce petit là. OK, when I ask you for example here. So the car rain on the street or on the subway, something like that. But the people, where must be cross or where must be walk? Huh? Must they walk to the street? Here on the street? No. So? Sidewalk. Sa? Grass. Good, grass. So, grass. What's in Arabic? Rasif. Good. Donc, Rasif, oh, esmo, le trottoir. Oh, Rasif, le trottoir. And the car ran in the street or in the subway or something. La rue. Okay. Now, Heather, what's this? What's this? Garage. La poste. What is la poste, guys? What is la poste? C'est quoi la poste? Ma carte de visite. Garage. La. Elle. La. Mail. What? La poste. Huh? So it's the same in English, huh? Post. So it's the post office. La poste is the post office. La poste
is the post office, al-barid. La poste. La poste is the post office. Okay? What كانت من توقعاتي? What? What do you say, Sofian? What did you say, Sofian? Didn't hear you very well. Nothing. Okay. Okay, now please, so we will repeat again. Listen how to pronounce this word. L'hôpital. La gare. La banque. Le pont. L'école. La cour, la rivière, les feux, la place, le musée, la pharmacie, le marché, le cinéma, la rue, la poste, le trottoir. Le supermarché. Alors, donc, si on va reprendre maintenant, alors on va dire que l'hôpital, c'est un mot masculin. Masculin, on dit un hôpital, mais vu que on a le, alors on dit la hôpital, mais vu qu'elle est suivie par un H, donc on met le L apostrophe. Et donc, ça devient l'hôpital. La gare, c'est un nom féminin. C'est un mot féminin. La gare. Une gare. OK? Donc, c'est un mot féminin. La gare. La banque. La banque aussi, c'est un nom féminin parce que ça commence par la. La banque. Et non pas le banque. Le banque, c'est faux. Donc, on dit la banque. Mais on dit le pont. The bridge. Le pont, c'est un nom masculin. Le pont. Donc, c'est un nom masculin. Et aussi pour l'école, on dit une école. Donc, c'est un nom féminin. Mais pourquoi on met le L apostrophe? Parce que la, c'est un voyelle. A, c'est un voyelle. E aussi, c'est un voyelle. Et du coup, on met le L apostrophe. L'école. L'école. La cour aussi, c'est un nom féminin. La cour, the playground. La cour, c'est un nom féminin. Donc, on met la. Ou bien, on dit une cour. La cour. La cour. Alors, la rivière, un nahar, OK? So, valley, it's valley. Un nahar, la rivière, c'est un nom féminin. On dit la rivière. La rivière. La rivière. La même chose. Alors, pour musée, al-mathaf, c'est un nom masculin. On dit un musée ou bien le musée. Le musée. Le musée. Et aussi, on ne dit pas le feu, mais on dit les feux. Pourquoi on dit les feux? Because we have three traffic lights, red, green and orange. Okay, so we said les feux. Les feux. Les feux. Alors, aussi le cinéma, c'est un nom masculin, le cinéma. On dit un cinéma. Ou bien le cinéma. Le cinéma. Le cinéma. Et une pharmacie, c'est un nom féminin. Ça commence par la et non pas le. Donc, on dit une pharmacie ou bien la pharmacie. Et la comme pharmacie. Ça, c'est un nom féminin. Aussi pour le marché, le mot marché, c'est un nom masculin avec le, on dit un marché. Le marché. Et le supermarché aussi, c'est un nom masculin parce que le, this, le, taoud, à la kalimat marché. Donc, on dit le supermarché. Le supermarché. Le trottoir, c'est un nom masculin. Aussi, c'est un nom masculin. On dit le trottoir, ou bien un trottoir, al-rasif, huwa kalima mudhakkar. Le trottoir. Le trottoir. La rue, ashara, ism mu'annaf. La rue, avec L-A, ou bien dit une rue, ou bien la rue. Donc, on utilise un nom féminin, la rue. La rue.
et aussi la poste ou bien une poste parce que c'est un nom féminin. Donc, on dit la poste. La poste. La poste. OK? Is it clear for you guys this exercise? Oui. Bravo, très bien. Alors, please, I ask you to do your homework. Homework in page. Wait, I will give you the page. Alors, exercice numéro 9, page 23. Exercice numéro 9, page 23. OK, this exercise. Oui, oui. You will do it, OK? It's very simple, it's very easy. OK, les garçons? Do you have a question? No. Okay, good. يلا نروح على الصلاة يا جماعة. See you next time. See you tomorrow for our lesson of French. Au revoir. Au revoir.